Parce que là, le Covid, ça recommence et du coup, ça nous fait vraiment plaisir de passer des bons moments avec nos amis et notre famille. Je trouve que c'est mieux dans l'attitude et dans l'intensité que le match de la semaine dernière. Maintenant, les matchs nuls, c'est toujours un peu le verre à moitié vide, à moitié plein. Donc savoir si on se contente de ça ou pas. La vérité, c'est qu'ils ont la dernière balle et qu'ils peuvent aussi gagner. Donc en ça, je pense qu'on peut se satisfaire d'au moins cette dernière défense. Bien sûr, cette semaine, très bien travaillé. On a été en mode combat toute la semaine. Et ça se voit ce soir, c'est qu'on a un plus beau visage devant notre public, ce qui était important, de montrer un autre visage au phare dans notre maison. Après, ça reste rageant, parce que forcément, on cherche la victoire, on cherche les points, et ça reste très rageant. Parce que je pense qu'il est à notre portée ce soir. Et c'est vraiment de la frustration. Maintenant, voilà, il ne faut pas se laisser abattre, il faut voir ce qu'on a fait, il faut avoir des buffets et continuer à travailler comme on a fait cette semaine parce que c'était une semaine intense. C'est un match nul, mais la première chose que je veux dire, c'est que je suis plus là. On est fiers de nous, quoi. On est fiers des mecs, on est fiers d'avoir fait ça ce soir. On joue avec 6 pros, je crois, sur le terrain. 2 dans les cages et 6 sur le terrain. 3 jeunes qui, pour certains, avaient 0 minute de temps de jeu en Lidl Star League. Il y a Guérit qui n'est pas rentré, qui était un ancien Chambérien de la maison. Mais... voilà, on a dit qu'on jouait tout avec le cœur, que la solidarité. C'est unique de jouer un match comme ça parce que je crois qu'on est passé par toutes les émotions depuis le début de la semaine. On a des cas de Covid, tous les jours on apprend qu'il y a un positif en plus. On est dans le bus, on apprend encore qu'il y a un positif dans le bus. Comptablement, c'est pas rien, c'est ça de prix, c'est un point de prix. Après, en tant que compétiteur et professionnel, je pense que toute l'équipe ne peut pas se satisfaire de ça. On n'est pas satisfait du nul. On est à la maison. Certes, on s'est battu tout le match, mais je sais qu'on est tous. On n'est pas satisfait de nous. On veut gagner. On a un état d'esprit qui évolue au fur et à mesure de la saison où à chaque fois on se rapproche un peu plus de la victoire. Et on fait tout pour qu'il y ait ce déclic, pour qu'on fasse inverser la vapeur. Donc je pense pas qu'on va se satisfaire, même si c'est quand même un bon point de prix à la maison et voilà, il y a quand même une part de satisfaction.